Army, Disney Army, ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. Aujourd'hui, on est le 12 avril 2017 et donc on se trouve sur le parc Disneyland Paris. Quand j'ai vu les looks Disney des gens, je me suis rendu compte en fait que c'était absolument magnifique et que j'avais envie de partager ça avec vous. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une vidéo Disney Street Style. J'ai rencontré un groupe de personnes qui étaient Disney bondées. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, moi aussi, je suis habillée en mode Disney. J'ai sorti mes petites oreilles. J'ai mon maillot du monde de Dory que je vous avais présenté dans un haul. Un jean, tout ce qu'il y a de plus basique, mais aussi un bracelet et une montre Mickey. J'ai fait du Disney à ma façon, comme d'habitude, quoi. Je vous fais partager cette rencontre, leur look Disney, en espérant que cette série vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air pour que je puisse savoir si jamais vous voulez d'autres vidéos du style. Du coup, est-ce que tu as des accessoires qui vous plaisent tout ça? Qu'est-ce que tu as trouvé? En fait, ça vient du Disney Store japonais. Ma jupe, c'est moi qui l'ai faite. Mon collier, c'est un cadeau. À la base, je l'ai acheté sur AliExpress. Après, j'ai fait le nœud et j'ai tout customisé en fait. Quel style t'as-tu avec quel personnage t'as-tu Ariane. Avec tes cheveux, ça ne me va pas. Blanche-Neige, par hier. On a fait La Belle et la Bête, l'avant-première de La Belle et la Bête. Sur le parc aussi? Oui, sur le parc et à Paris aussi. D'accord. On a fait Jack et Sally. Il faisait Sally, je faisais Jack. Pour le dapper des docteurs, on a fait ça aussi, on aime bien faire. On change les sexes des personnages en échange, en fait. C'est ce que j'avais fait moi-même. Ouais. Première création. Le parapluie aussi. Le parapluie que j'avais fait aussi. Wow. Ouais, c'était chouette. Enfin, on a eu beaucoup de succès. Ça, il y a des endroits où choper ce genre de pièces. Français, tu as Belle Dandy qui fait un vaste choix de rockabilly et pin-up. Et ils englobent un peu. En fait, ils prennent des boutiques étrangères et ils revendent en France en fait. Donc, du coup, vous disiez votre prochain Disney Bond, c'est quoi? Et Tigrou, ouais. Ah, génial. Le seul de classe, c'est mon gilet qui vient de mon mariage. Et puis le petit de papillon, c'est tout jeu de la belle-mère qui nous a ramené ça. Du coup, vous êtes en couple, est-ce que vous avez composé votre couple ensemble? Enfin, vous êtes mis d'accord quand vous avez fait ça? Oui, bah en général, on est à deux sur sa tenue. Non, mais souvent, c'est toi qui as les idées et tu dis j'aimerais bien mettre ça et ça. Et toi, alors? Alors, moi j'ai une vieille robe Primark. Ok, avec les étoiles aussi que t'es dans. Les étoiles, je les ai commandées sur AliExpress. Un petit peu plus grosse qu'on prévu, mais du coup voilà, je vous ai cousu quand même. J'ai des chaussures à paillettes, donc c'est des Get Made. Les oreilles, c'est moi qui les ai faites. C'est un process très compliqué qui implique un pistolet à colle et à peu près tout ce que tu veux coller dessus. Et toi alors? Alors moi, c'est compliqué. J'ai fait venir ma robe du Japon, c'est la marque Secret de Nike que j'avais tenue. Le collier, c'est un collier que j'ai acheté de la collection Disney du parc quand j'ai eu l'occasion d'y aller. Les chaussures sont de New Look, ça fait 2 ans que je les ai. Les accessoires viennent de chez Claire, c'est la pochette qui vient de chez Primark. Je suis administratrice de la page Disney Plus France. On l'est tous. Tous. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux abonnés pour s'habiller Disney? Rester dans son style à soi, ne pas chercher à sortir de ses habitudes. Se faire plaisir avant tout et partir de ce qu'on a aussi. On n'est pas obligé de faire des folies en shopping. On peut s'arranger avec ce qu'on a déjà dans son armoire et des petits accessoires que tu allais faire soi-même. Clairement, les accessoires font directement la différence. Recyclage de vêtements, c'est très très bien. Recyclage de vêtements, ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, étant un mec, j'ai pas forcément une garde-robe très énorme. Donc le recyclage de vêtements, c'est-à-dire que un vêtement pour un personnage, c'est bien. Et toi justement, est-ce que tu aurais une boutique à vendre? Pour toi,
Pas forcément spécialement. Après, moi, on est souvent sur Paris, sur des petites boutiques, des costumes pas chers, des trucs comme ça. Ouais, c'est bien dans les magasins proches des gares ou des trucs comme ça, où on voit souvent des chemises, mais c'est 15 euros, des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre très très cher en fait, ça va bien. Okay. Et puis après, bah, les magasins plus généralistes, je pense que c'est un nous, on marche beaucoup avec des vêtements unis, donc ils peuvent être assez simples. On prend des pièces assez basiques et on travaille beaucoup avec les couleurs. C'est plus rare de travailler avec les motifs, c'est plus difficile de travailler avec les motifs, mais à partir de couleurs, on peut déjà dessiner une tenue assez facilement. En garçon, il y a un petit peu moins d'accessoires, du coup, c'est à fond sur les couleurs. Voilà. Ce qui est bien, c'est que dans notre équipe, donc on est 8 et il y a tous les styles. Il y a les personnes qui préfèrent faire des distribuables assez simples, mais efficaces. Il y a des personnes qui adorent ajouter des accessoires aux accessoires. Voilà, mais c'est notre style. Donc surtout, il ne faut pas, comme disait Charlotte, il ne faut pas s'éloigner de son style. Si mon style, c'est de mettre plein d'accessoires, je me fais plaisir. Si j'ai un style un peu plus simple, ne pas se déguiser, ne pas se sentir déguisé, parce que ça va se voir et parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire une tenue inspirée d'un personnage avec des vêtements de tous les jours qu'on pourrait porter au travail, qu'on pourrait porter dans la rue, vraiment, voilà, vraiment. Le truc, c'est de se sentir bien dans la vie, en fait, tout simplement, et de se dire qu'on n'est pas déguisé, on porte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de porter. Exactement. Je vais vous poser une dernière question à tous les quatre. Est-ce que vous auriez une anecdote avec un personnage qui a reconnu votre tenue? Alors moi, j'ai Mary Poppins qui a reconnu mon Disney Band de petite alien de Toy Story. Elle me fait « Tu es l'alien ?» J'ai fait « Oui !» C'était un peu improbable, voilà, j'ai adoré ce... C'était marrant. Moi c'est Gaston. Il m'a demandé mon prénom, je lui ai dit que j'étais Gaston. Et donc du coup ça fait très rire le public autour et... C'était un bon moment, on va dire, parce que voilà, je me suis mesuré à lui. Moi j'ai fait un paquet de fois à Réel et à chaque fois ça donne des petites réactions sympas, du style « Ah, t'es une princesse aussi, tu viens du même océan, mon prince Eric, voilà, c'est ça. » J'en ai deux qui m'ont vraiment marqué. Pour Halloween, j'étais un Monsieur Mouche et on a fait le brunch. Monsieur Mouche m'a demandé en mariage. Il s'est mis à genoux, il m'a tenu la main et j'ai passé un bon moment avec lui. Il est resté vraiment un bon moment avec moi. Il est même revenu à la fin avant de partir du resto. Et sinon, l'autre, ça va être quand il y a eu Belle qui est du coup maintenant en photolocation. J'étais en samovar et elle m'a reconnue et c'était juste exceptionnel. Voilà pour cette rencontre. J'espère que ce premier Disney Street Style vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Disney Boot si jamais ça vous intéresse et à aller voir les liens que je vous mets en barre d'infos. Franchement, c'est absolument magnifique. Je vous réserve une deuxième édition pour la Dapper Day. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.